Buongiorno, come stai? Bene, bene, Bene. bene. Bienvenue pour ce nouveau resto vlog. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va déguster de la bouffe. Vous voyez, on n'est pas dans le même décor, on n'est pas dans le même appartement, on est à Rome. Donc on va aller manger 2-3 trucs, voilà, au menu pizza, spaghetti et aussi sandwich. Avant toute chose, n'oublie pas le pouce bleu, tu peux également t'abonner et puis tu peux également partager la vidéo s'il y a des Italiens que tu connais, que ça pourrait intéresser, super sympa, hein, dis qu'est-ce que t'en penses. Allez, c'est parti, on y va, let's go. On a trouvé un petit restaurant chic à côté de la fontaine de Trevi et on va voir si vraiment la bouffe des lieux très touristiques est bonne. On verra, je ne sais pas. Le restaurant c'est celui-là. Ici, là, Pizza in Trevi. C'est parti! Je suis avec madame. Bonjour. On a tous les menus qu'on veut. Ici, on a les entrées. On a une deuxième entrée ici. Ici, on a des pâtes spéciaux. On peut avoir aussi tout ce qui est viande, poisson, salade, des pizzas, bien évidemment. Bon, moi, je vais choisir. Je pense que vous savez. Une bonne petite pizza et puis on va déguster tout ça. C'est parti! Passons à la dégustation, mesdames et messieurs. C'est une tuerie, la pâte est croustillante, une bonne came sur la pizza. On voit que c'est une pizza italienne, hein. Ça vient du pays, hein. C'est pas une pizza suisse. Après la pizza, on va goûter les spaghettis, mesdames et messieurs. J'ai pris spaghetti carbonara. C'est un petit restaurant qu'on a trouvé tranquillement. On a pris du pain à l'ail aussi en entrée. Et madame a pris des rigatoni Napoli. C'est des sacrés glass of vine, ça. Je vais vous dire, il y a un demi-décile. Rigatoni Napoli. Alors, c'est avec de la mozzarella fraîche, des tomates fraîches. Tout est frais, c'est magnifique. C'est la grande classe. On va goûter ça et on verra ce que ça donne. Il manque un peu de goût d'ail. Madame aime bien. Moi, je trouve que j'aime. Il manque le goût d'ail. On va passer aux pâtes carbonara. Alors, les pâtes carbonara, c'est pas les pâtes carbonara qu'on a en Suisse. C'est juste une tuerie, les amis. Alors là, on se trouve dans un petit restaurant. Ils font des sandwichs qui sont apparemment relativement assez bons. J'en ai commandé un avec jambon cru, mozzarella et il y a de la crème d'artichaut dedans. Je sais pas du tout que ça va donner. On verra. Alors là, on attend parce qu'il y a beaucoup de monde. Et puis voilà. Bon, on va déguster maintenant. C'est très très bon. Le pain est très très bon. Il est très croustillant. Il y a ce qu'on appelle vraiment de la garniture dedans. C'est une petite tuerie. Une vraie petite tuerie. Bon, c'est très bon, c'est très bon, je veux dire, toute la bouffe est très bonne, les pâtes sont bonnes, les pizzas sont bonnes, la sandwich, comme vous avez vu, c'était vraiment bon, le pain était excellent, les pâtes que vous avez vu aussi, carbonara, étaient très très bon avec la sauce qui était juste, il y avait vraiment un équilibre de tout qui était vraiment très bon, et la pizza, c'était vraiment une tuerie. Je pensais que c'était un attrape touriste vu qu'on était à côté de la fameuse fontaine, mais non, pas du tout, c'était vraiment excellent. En tout cas, vous, les Italiens, vous cuisinez. Mamma mia, ce que c'est bon. Voilà, ce resto vlog est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Tu peux t'abonner, tu peux partager la vidéo. Et on se dit dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Adieu les copains. Adieu. Adieu.